Bonjour, on va entrer pour la troisième partie de notre cours parce que j'ai très faim, donc je crois que peut-être vous avez faim aussi. Et c'est la culture française à la Renaissance. 我们第三个部分呢，讲的是比较偏向文艺复兴法国文化的一些影响哦。那它有一些比较有趣的一些事情呢，哈啊，这个要讲啊，这个要讲一整年讲不完啊，哈。所以说老师只能讲一些关键重点的东西。我知道大家很饿哈，我现在很饿，我这边已经12点多了。OK，好，那我们。那来看一下，Bon, on va commencer pour parler. Je vais vous lire d'abord le texte, hein, comme ça c'est plus facile. La Renaissance pour la France est aussi une période importante dans le domaine culturel. 好，所以很重要，就是说文艺复兴对法国来讲呢，在这一个 domain 的 culturel，就是说在这个文化的部分，它其实占有很重要的一部分。当然了，哈，前面那些什么历史血腥的部分讲完了，我们来讲点比较愉快一点的，d'accord? Dès la fin du XVe siècle, les rois de France possédaient une grande partie du territoire français et ils ont envahi l'Italie pour étendre leur possession. Dès la fin du XVe siècle, 你知道 dès la fin 就是说在15世纪末的时候哈，les rois de France 法国国王怎么样呢？possédait une grande partie du territoire français 法国的国王已经能够拥有哈，possédait 这很有趣哦哈，une grande partie du territoire français 他们已经拥有法国大部分的土地了。你会觉得很奇怪啊，他不是国王的，为什么？拥有很大片土地有什么好怪的吗？因为我们如果下次上课回到中世纪末期，你就会知道，那个年代因为封建制度，所以法国国王很弱的哦，他有很多土地根本就不是他的，号称他的，但都不是掌握在他手上。那但是要到15世纪后期的时候呢，这些土地一步一步被法国国王拿回来了哈。他拿回来之后呢？Ils ont envahi l'Italie pour étendre leur possession. 拿回来还不过瘾，他们还 envahi 这个字呢，它其实就是去入侵意大利，还去入侵意大利哦，要干嘛？étendre 要去拓展 leur possession 要去拓展他们本身的这些拥有的财产，自己的国家都已经吃不够了哈，还、啊、继续再去吃别的国家哈，所以这些法国国王啊，一天到晚就是去打意大利，所以意大利人其实很讨厌法国人哦，在那个年代。Et puis, ils ont été ébloui par la richesse et le raffinement de la civilisation italienne, qui connaissait déjà un épanouissement prodigieux. Et ils ont ramené en France les idées nouvelles de la Renaissance italienne. 哦，这是最有趣的。我们刚刚讲到说，他们去那个地方，要去打意大利，对不对？哎，结果没想到。坦白讲啦，哈，好几场战役也是法国国王，甚至还有被关起来的，但不见得每次都赢哦，但是常输哦，OK。而且，但是在这过程当中，他们发生了一件很有趣的事情。Ébloui 好像那种眼睛被刺瞎、被灼瞎、被什么灼瞎了哈。La richesse et le raffinement de la civilisation italienne，他们反而被意大利的文明跟文化，尤其是他们的那一种 richesse 这个地方不是只是他有钱。还代表了丰富，而且是 raffinement 代表的是一种很精致的文化。你知道法国人在当时是被认为很粗鲁的民族，可是他们跨越阿尔卑斯山来到意大利，又发现，哎呦，意大利怎么是一个不仅富有，而且是很有文化教养的一个地方。Qui connaissait déjà un épanouissement prodigieux？在法国你还没来之前，我意大利早就已经 épanouissement 很像是那种花开的那一种，非常跟花开绽放、百花绽放的那一种文化文明的时代。你现在法国人才看见，我意大利已经从15世纪就开始了。OK, et puis ils ont ramené en France, ils 这个地方当然是指法国那些军人啊，哈，ils ont ramené en France les idées nouvelles de la Renaissance italienne。结果法国国王啦、军人啦。就从意大利把一些很新的东西，尤其是 les idées nouvelles 包含了去了解古希腊罗马的文化、等等这些，把它带回到法国。En prenant par exemple le roi de France François Ier qui a régné de 1515 jusqu'à 1547 a vraiment aidé les artistes, les hommes de lettres et des savants. 很重要的这个国王，但我们会看到 François Ier
他是怎么样？他是一五所谓的这个黑涅，也就是说他在掌管法国当国王的是什么呢？时候呢，1515年的时候到1547年，已经是 Henri IV 这更早时期的啦哈，法国16世纪早期的国王了。他那时候就开始做一件事情了，aider les artistes 去帮助各个的那个赞助很多的艺术家，包含法国的，包含佛罗伦斯的，包含那个意大利啦，哈，然后法兰德斯，就是说现在荷兰、比利时这一块都有。Les hommes de lettres，哦，这些文学家，哦，les hommes de lettres 文学家，et les savants 所有富有知识的学者，他都赞助他们。Il a fondé le collège des lettres royaux。好，这里呢，collège。De lettres royaux，也就是我们今天的法兰西学院。哎，qui deviendra le collège de France，法兰西学院哦，非常重要的一个教育机构。Pour enseignement du latin classique, du grec, des hébreux, dont le but de la lecture des livres dans la langue originale。好，所以他创立这个法兰西学院要做什么事情呢？Enseignement 是教学。教什么呢？Latin classique，因为我们知道当时的法国人其实都看不，除了学者了哈，都看不太懂拉丁文了。尤其是 Latin classique，Latin classique 指的是指古罗马时代的拉丁文。Du Grec，希腊文，其实主要就是讲古希腊文。et de Hébreu，Hébreu 就是希伯来文，圣经最早期写的这些语言。所以我们看得到，他为了这法兰西学院，最主要就是要教导这些传统的语言。最古老的语言，让大家可以回到最原始去看圣经到底在写什么，最古老的那些经典到底在写什么，而不是只是纯粹从你各种翻译的，像古腾堡那种翻译的，然后大家翻译的那种一大堆翻译呀、啊，又印制的那些东西，到底是真的是这样子写吗？他们希望训练很多学者回到最原始的一个状态。好，这个是 François Premier, donc on va voir un peu le François Premier, on dit le père de l'histoire de lettres。Historiador 就是重新修复，它是什么重新修复的意思？就是说很多的文学已经以前都不见了，然后呢，到了这个 François Premier 我们叫 Le Père，Historiador 就是那种文学的父亲。好，那我们刚刚有讲到 Henri IV，他其实是所谓的 Bâtisseur，就是说建立，但他是个父亲，他只是把它修复回来。他也做了很重要一件事情，他就等于是把法国的国家的土地、军事的权力呢，一步一步再把它慢慢拉回来。Le mécène 就是赞助，de la Renaissance française，他是一个很重要的赞助的一个人呢，哈，他花了很多钱培养当时法国的文学家、艺术家、科学家等等。OK，Le château de Fontainebleau, par exemple, le château de Fontainebleau, c'est la résidence vraiment très très importante pour la Renaissance. Si on parlait un peu de l'histoire de l'art français, le château de Fontainebleau, c'est la résidence de François Ier. Alors, avec un plan, avec l'architecture qui est faite par les idées nouvelles qui venues de l'Italie. Le château Fontainebleau, c'est Fontainebleau 的这个城堡呢，它在离巴黎不远啊，如果你坐火车大概40几分钟啊，就可以到一个地方。它等于是当时整个在文艺复兴时期，法国文艺复兴的一个象征地。国王住这里，很多重要的艺术家住这里。然后呢，这里从整个城堡啦，从包含里面的所有文学家、艺术家，甚至还有就是叫做 Ego 的 Fontainebleau 枫丹白露的学派啊，他们的画家、版画家都在这个地方。哦，所以这个地方呢，是等于是法国文艺复兴的起源地了哈。Donc François Ier a fondé le collège de lettres royaux en 1500. Et il devient le collège, il deviendra le collège de France enseigné. Vous voyez, il s'est lettre ancien grec latin hébreu gratuite 很重要，gratuite 这个字是免费的，谁都可以进来。好，et à tous 所有人，sans inscription 完全不用注册。
好棒哦，好棒的一间学校哦，完全就是，如果是像今天就是好像线上教学一样，你免费的，你所有人通通都可以来听课，这个是一个很重要的关键哈，就是说我开放了整个教育是给所有普罗大众的，当然啦，会进去的还是那种比较有学问的人啊，一般那个中菜的可能会比较少进去，OK？所以他做了这件非常重要的事情。Le collège de France à Paris aujourd'hui est un peu comme ça，好，所以你看得到这个是在法国法兰西学院。到今天啊，法国法兰西学院伊迪亚乌古里萨翁哈，今天还是很多很重要的学者会在那个地方讲课哦。然后是你随时随地可以去听的。D'accord? Donc, un peu d'importance qu'on m'a commencé à le Collège de France et on a essayé d'étudier la langue, les lettres anciennes, quand on a commencé pour parler ce mot-là, intelligence. Intelligence, c'est 我们在那个年代开始一直在讨论，就是所谓的智慧。Alors, d'où vient l'intelligence? Il vient de trois mots, en fait, très importants. Tout d'abord, douter. 首先，你要懂得质疑。Après, réfléchir. 后来，你要去思考。Et bien sûr, à la fin, savoir, 最后你才会知道。从质疑、思考到知道，这三个很重要的阶段，衍生成了 intelligence，变成了一个智慧。那这个东西呢，是在挑战当时整个宗教宰制人民的思想的一个很重要的一个发动机哈。我们记得 moteur le plus important。Ainsi que on a l'autre mot de humanitas, ça c'est le latin。C'est la vie devient la vie un peu différente, c'est un goût à la vie terrestre, à la nature et à la raison humaine. Un goût, 一个什么样的一个风向哦，一个所谓的 goût 其实是我们讲的口味，但是指风向。回到了什么呢？La vie terrestre，我们的凡间，不再讲神哦，凡间哦，就是地面上的生命，就是我们每天的生活。À la nature，回到了大自然。Et à la raison humaine。啊，黑种人类本身的思考的这个黑种，他的一个理想，他的一个逻辑等等之类，就是有理性有感性，回到了我们人间，我们叫做 humanitas。Donc, vous voyez ici, il y a un tableau qui représente la cuisine à l'époque en Italie, qui est peint par Vincenzo Campi. Voilà, il s'agit d'un peintre milanais. Donc maintenant, il est conservé dans la Pinacothèque de Brera。我们会看到那个年代呢，光意大利的画家都会画出那个年代我们的一般的生活了，不是只画神哦，那个神就有啦，神还是有画，但是我们开始画，你看，在一般的豪宅的家里呀，大家在厨房里面呐，杀鸡的啦，然后做各种料理的啦，杀鸡杀牛啦，杀羊啦，怎么煮饭啦，这变成当时很流行的题材，也就是说大家对。本身自己的生活比较有兴趣，啊，那个神在干嘛，就不是那么重要了。D'accord? Ainsi la Renaissance, on connaît très bien ce tableau de Naissance de Venus, qui est peint par Botticelli, qui est aujourd'hui conservé à la Florence Galleria degli Uffizi。在乌菲兹美术馆的这一个大家很有名的波提切利，他的这个维纳斯的诞生，其实也象征了当时文艺复兴很重要的一个概念。你不会不常可能就比较少看到上帝圣母玛利亚，而你会看到女神维纳斯从贝壳出现。贝壳在那个年代其实代表重生的概念哦，出现了之后，风神啊、花神啊，大家就蜂拥而来。这代表了一个时代，它慢慢在寻找古老的传统，也是一个时代，它慢慢在寻找新的力量。而从古老到新的力量这个过程当中呢，他们整个欧洲进入了另外一个很重要的时期。Ainsi la Renaissance，就是我们今天讲的文艺复兴，也因此而诞生。Voilà, c'est la fin de ce cours. Après, je vous donne une autre partie supplémentaire pour la connaissance. On revient pour le texte. Merci.